It is now. Hey, Gramps. It's squishy. Isn't that amazing? Woohoo! Salut, grand-maman. Hello. Salut, le reste derrière. At you. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette voiture? Le reste derrière. Hello, my dear. We're going to have a bison burger. Hello. Ah! On a eu tout le monde. We're going to eat some buffalo. On va aller manger du bison aujourd'hui. Buffalo will be sorry. Un hamburger comme ça. Un hamburger au bison. C'est vrai? La taille de la tête de Michael. Si t'as envie de manger. Si t'as envie de manger. Oh. Mais c'est trop, ça doit être. Si t'as envie de manger du bison. C'est une grosse bête. Oui, ils sont jolis, hein. Ils sont jolis. Ouais, mais ils sont aussi très mangeables. Ils ont un bon goût. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas mangeable? Tout est mangeable. Voyons. Attends, question, faut que tu qu'on te filme. Tout est mangeable. Tout. Même mon dos. So, what is the thing that you would say you do the most here in Montana? Eat. Eat? Now that's the correct answer. That is the correct answer, but do you also tend the garden a lot? I think that's your second biggest activity. Yeah, for the round out there. Pulling out daffodils. And get the daffodils killing out. Killing them gophers. And killing them gophers. And trim the... horses are running, look. Yeah, shoot the gophers. The rodeo horses. But the darn gophers get too smart. Yeah, they can think. You could look out the window and look at one and crawl around the side of the house and like with a gun. And by the time you get there, it's poof, it's gone. What is the number one most done activity you do? Entertaining. I love to have friends over and fix dinner and treat people to some good cooking and enjoy their company. Donc, nous sommes ici au Star Restaurant et Bakery. Et ici, ils font des burgers, des buffalo burgers, des burgers au bison en fait. Donc, et des cornichons frits. Et des cornichons frits. Et je pense qu'on va apprécier ça et on va manger ça maintenant avec toute la famille qui est ici. Cold state line, miles away from those I love, a piece of the pain. Nous allons voir maintenant une pièce de théâtre après avoir mangé ce délicieux repas burger de bison. Ils ont dit que c'était méga épicé, mais que dalle, genre rien du tout, mec. Zéro, exactement, ce zéro il est juste cette fois. C'est un petit peu la grosse. Oh mon dieu! C'est un petit peu le gros pays cowboy ici, donc vous allez voir une vieille ville de cowboy et ça va être assez cool! A toutes les gars! I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. On va faire un test. Quoi? Toi, tu donnes quoi comme note à la pièce de théâtre? Déjà maintenant. Déjà maintenant? Sans l'avoir vu. Ça s'appelle Robin des Bois. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Moi, je pense que ça va être 6,5 sur 10. 6,5 sur 10? Ouais. Moi, je mets déjà un 7. Je suis positif. Positif aujourd'hui. Oh, 7, c'est même pas si bien que ça. 7, c'est nul. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, tu me dis, hey, on regarde un film qui est 7 sur 10. Moi, je te dis, non, mais c'est mort. Moi, je regarde 10 sur 10 tous les soirs. Bon, on va voir. Allez, les gars, je vous dirai à toutes. On va aller voir la pièce de théâtre maintenant. Wouhou! Donc nous avons vu la première pièce du théâtre en fait et c'était vraiment pas mal. La deuxième partie va commencer bientôt en fait, nous sommes en mode pause avec Toki et toute la famille. Le papa qui est en train de fumer là-bas et puis les autres qui sont de l'autre côté en train de boire déjà de l'alcool. C'est valaisan quoi, putain. Donc je vais juste faire cette petite partie, après on va peut-être visiter la ville ensemble. Donc on va faire une téléportation de la note de théâtre. Donc téléportation de note de théâtre et après téléportation visite de ville. Ça vous va? Allez, à toutes. Théâtre terminé. C'était beau. C'était vraiment sympa, là. Surtout la deuxième partie. Donc j'ai dit que j'allais noter en fait la pièce de théâtre à la fin. Et franchement les gars, c'était un 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10. C'était trop drôle. Mais...
Christian, donne une note. Non, je rigole. Non, en fait, avant j'ai dit quoi, 6 sur 10 non, ouais. Non, là, je mets 9,5 sur 10. Ouais, ouais, c'est presque la perfection. Donc, nous sommes en train de visiter les magasins de la zone, mais regardez, c'est vraiment une zone western. Tutu. Avec les saloons et tout. Christian, viens ici, j'ai trouvé mon arrière-grand-père. Parce que j'arrive seulement à la chaque fois. Incroyable. Mais John Cadonegan. Dieu, mais mec. C'était le pionnier de Adel Gluckluch. Ça, c'est notre arrière-grand-père, les gars. Mais. Franchement. John, mec. John makes a brou-brou. Mon grand-père, il s'est fait des verres avec. Et ça, c'est le vrai grand-père. Ça, c'est le seul et unique grand-père. Le gars, mec. Le cliché. C'est un bonhomme, lui. Tu sais quel âge il a? Il a 1000. Faut qu'on arrête de faire ça. Et maintenant, mesdames et messieurs, une recréation de ce que c'était à l'époque d'être à l'école. T'as pas fait tes devoirs? Maintenant, tu mets cette main-là. Sale merde. Gamin de merde, c'est pas fait tes devoirs. Vraiment une sale tête, quoi. Comme ils sont balés. Les États-Unis. Ah oui, ça c'est vraiment le truc cliché, quoi. Ça. Christian, je te donnais des heures après ce truc. C'était extrêmement sympathique cette journée. Virginia City qui était ici à. C'était à 20 minutes de Ennis, Montana et on s'est beaucoup marré. Maintenant, vous voyez derrière moi, ils sont dans la salle à manger. On finit tranquillement notre soirée avant d'aller s'endormir et puis poser quoi. Je vous souhaite à toutes et tous, où que vous soyez, une excellente soirée, journée, toutes les bonnes choses. Et puis, bec et à demain. Ciao, ciao! When hearts like ours meet, I fell for you like a child.